La brouille entre le prince Harry et le reste de la famille royale britannique est-elle sur le point de s'arrêter pour de bon? Tous les indicateurs semblent pointer dans cette direction, ces dernières semaines. L'apaisement pourrait bientôt être au rendez-vous. Cela semble en tout cas être la volonté du roi Charles III. Le prince Harry, prêt à accepter la main tendue du roi Charles III? Que ce soit en intégrant une photo de Meghan Markle dans le programme de son couronnement, ou en rendant hommage à son fils cadet lors de la fête des pères, le roi Charles III adresse régulièrement des pensées au duc et à la duchesse du Sussex. Il se serait même vu reprocher son attitude par la reine Camilla, qui estimerait le monarque trop tendre envers son fils. Par ailleurs, le prince Harry aurait également repris contact avec son frère et sa belle-sœur, le prince William et Kate Middleton. Selon les informations du magazine OK, lui et son épouse seraient prêts à réparer leur relation avec le prince et la princesse de Galles. Lui et Meghan ont proposé de louer un appartement à Kensington Palace qu'ils paieraient et meubleraient à leurs frais, précise une source royale. Il espère que ça fera plaisir au prince William, et que cela lui prouvera qu'il est sérieux à l'idée de revenir. Le Mirror affirme même que Kate et Harry auraient repris l'habitude de s'appeler tard le soir pour trouver des solutions et réconcilier les deux frères, et ouvrir la voie à une paix au long terme avec la famille royale. Le tendre commentaire du roi Charles III concernant son fils alors que le prince Harry semble être prêt à y mettre du sien pour se réconcilier avec la famille royale britannique, rien ne pourrait faire plus plaisir à son père. Alors que le roi Charles III était en visite officielle à l'université de Stratford afin d'inaugurer une plaque pour le 125e anniversaire de l'établissement, il a répondu à une question concernant son fils cadet. Faites revenir Harry, s'il vous plaît. Pouvez-vous le ramener s'il vous plaît, monsieur? A lancé un homme dans l'assemblée. Et selon The Daily Mirror, le roi aurait répondu. Ça serait bien. Une réponse songeuse qui prouve que leur relation peut encore être réparée.